we present the concept of the LG Animal Nutrition, which is a specific breeding program. And especially inside of this project, we present the first test on the animals. It means the test on the cows. We look for the difference in the milk. And after 2 months of the feeding with our quality silage, with the stamp of LG Animal Nutrition, we can prove by the scientific way that the group with, which eat LG Animal Nutrition hybrids produced 0.6 kilo of the milk per cow and per day. Le programme Animal Nutrition est basé sur trois piliers en fait. Nous avons chez Limagrain une recherche spécifique pour le maïs fourrage qui tient compte de la quantité mais aussi de la qualité. Le deuxième point, nous avons la possibilité avec différents outils modernes d'analyse de connaître et de sélectionner les meilleurs hybrides en termes de digestibilité et de dégradabilité d'amidon. Et le troisième point qui est très important pour les agriculteurs, les utilisateurs de variétés, et ça c'est nouveau, vous me parlez de futur, ça c'est nouveau, nous faisons des tests sur animaux, c'est-à-dire que nous testons nos variétés de maïs fourrage dans des instituts et nous comparons les variétés de maïs fourrage LG Animal Nutrition comparées à des variétés locales, des témoins locaux que les agriculteurs utilisent. Et ça nous permet de voir et de prouver que ces variétés-là apportent plus de lait et plus de viande. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment très important pour un semencier de focaliser les efforts sur l'amélioration de la digestibilité des parois. C'est sur ce caractère-là que nous avons le plus à gagner pour améliorer la teneur en N et L par kilo de matière sèche ou UFL par kilo de matière sèche. Avec même teneur en fourrage utilisé, il utilise moins de concentré pour faire la même production de lait ou il produira plus de lait par vache avec moins de concentré. Donc c'est un intérêt économique pour l'éleveur. Nous travaillons aujourd'hui sur des variétés encore plus digestibles, donc plus énergétiques, en diminuant ou en changeant, en modifiant la structure des plantes au niveau des cellules. Aujourd'hui, dans une cellule, vous avez la partie digestible, comprend des celluloses, des hémicelluloses, et une partie non digestible qui est lignine. Et nous travaillons avec des outils modernes de génotypage. Nous travaillons sur la diminution ou la répartition de la lignine dans la plante, ce qui permettra d'augmenter encore la digestibilité et donc d'augmenter le niveau d'énergie et donc de produire plus de lait avec la même variété de maïs fourrage. C'est clair, en France, les hybrides que nous avons mis sur le marché les dernières années, nous mettons sur le marché des hybrides qui permettent à peu près un demi-litre de lait de plus par vache et par jour, par rapport à la moyenne des maïs du marché. J'espère que nous pouvons être capables de mettre sur le marché des hybrides qui permettraient un litre de lait de plus par vache par jour. J'espère. Nous travaillons dans ce sens. Nous avons décidé de créer la marque LG Animal Nutrition pour montrer à l'agriculteur, pour créer un signe. Ce signe-là, cette marque-là est sur les sacs, il est dans nos documentations techniques et l'agriculteur peut être confiant avec l'utilisation de ces variétés-là puisqu'il sait, en utilisant ces variétés Animal Nutrition, qu'il aura des niveaux de quantité de fourrage et des niveaux de qualité de fourrage meilleurs que les témoins du marché. Et donc c'est un signe pour reconnaître les meilleurs hybrides du marché.